Écoute bien la bande. Doucement. Les sorcières. Qui vous a donné la sorcellerie? Mon papa et ma maman. Ils m'ont donné ça? Oui. Ils t'ont donné la sorcellerie? Oui, ils m'ont donné un dragon en mariage. Ah, très bien. Parce que là-bas, ils ont le dragon. Ils t'ont donné le dragon. Il est comment? Lui de Paris. Devant quelle mère? Il est. Ils t'ont donné quoi? Le dragon, c'est un fermoire. Oui, si, c'est ça. Et puis, t'as marié. Oui. Comment il a fait? Il s'est couché avec moi. Mm-hmm. Comment? La nuit, il s'est couché avec moi. Il s'est changé en mari de nuit. Et puis, femme de nuit, il se couche avec moi. Il a fait des enfants avec moi. T'as des enfants là-bas? T'as des enfants? Je reconnais, c'est là. Non, tu as des enfants, oui ou non? Oui, papa. Combien? Actuellement, il y avait fait 15 enfants, mais j'ai bouffé. Là-bas aussi? Non. Avec le dragon, j'ai fait 15 enfants, mais j'ai bouffé. J'ai bouffé les enfants. Il me reste que. J'ai bouffé 8, il me reste que 7. Et ici, vous l'avez là? Ça fait combien d'enfants? C'est 15. Ici aussi? Ici, 15. Oui. Et les enfants sont où? Je les ai bouffés, il reste 7. Ah, non, c'est qu'on fait ici, tu fais ça là-bas aussi. Oui, papa. Et tu as tué combien dans toi? Les hommes que j'ai tués, c'est plus de 400. Plus de 400? Oui, papa. Tu as tué plus de 400. Comment tu fais pour tuer les hommes? Si je veux tuer les gens, je souffre. Si la fête. Ah, et puis je vois, je transforme la personne en un animal. Mm-hmm. Il devient mou. Et puis je le tape. Il meurt. De comment, où tu as accès à lui? Comment tu fais pour le prendre? Il est mort. Alors? Si je lui ai tué, puis il est mort. Non, je dis, ils sont où tu les prends? Par exemple, la nuit, si je me suis couché, je prends un placard. C'est comme la porte. C'est comme une porte. Philippe. La porte, c'est comme jaune. Le placard où on met l'homme là. Oui. Si l'homme est mort, je prends ça. Placard. C'est comme la porte, cette porte là. Je oui. Prends ça pour mettre le mort là-dedans. Je vais comprendre. C'est un casier ou un quoi? C'est un cercueil, mais c'est comme une porte. Oui. Une porte, voilà. Et il fait où ça? Je prends ça en main. Oui. Pour aller tuer mon enfant. Je n'ai pas compris. Faut bien expliquer. Tu as comme un soupçon de cercueil. Oh, mais le si placard. Si je m'avais tué la personne, vous voyez la porte là, non? Oui. Si j'ai tué la personne là, je la mets sous la porte là. C'est comme le cercueil. Voilà, pour l'amener au cimetière. C'est ce que j'ai dit. Si j'ai tué la personne, je la mets sur. Si la porte a pour l'amener au cimetière, si je viens transformer, fini. Si tu manges. Oui, papa. Vous êtes combien là-bas? 44. Dans mon groupe. Oui, papa. 44 personnes. Oui, papa. Tu es la patronne. Oui, papa. Je suis la reine. Tu es la reine. Oui, papa. Je tue. Tu tues. Je mange. Tu manges. Je prépare. Et puis je dis que c'est celui-là, vous allez tuer. Oui. Je désigne. Et puis. Non, on a la porte. Sur mon lit où je me couche là. Sur ton lit, en deux corps là-bas. Non, je suis mariée à Lakota. Okay. J'étais mariée à Lakota. C'est à cause de la sorcellerie là. Mon mari m'a divorcé parce que j'ai mangé mes enfants. Le lit où je me couche là, j'ai mis des cordes. Cordes là, je prends pour attacher la vie de mes enfants là. Pour ne pas qu'ils réussissent. Il y a un, il a fréquenté jusqu'à il a eu le bac. Le moment où il devait quitter ici pour aller. Pour traverser et puis aller là-bas. Traverser où en Europe? J'ai gâté son travail, il n'est pas parti. Et puis comment t'as gâté son travail? Ton propre enfant? Oui. Comment t'as gâté? Il devait faire ses papiers, j'ai arrêté. J'ai dit. Faut pas voyager. J'ai dit, papa, il va voyager. Et puis je lui ai rendu maladie d'asthme. Tu as donné asthme à ton enfant? Oui. Comment t'as fait? J'ai soufflé dans sa voiture et puis il a atteint d'asthme, maladie d'asthme jusqu'à présent. Il est un peu vieux mais il est souffrant de cet asthme-là. Et tu as fait quoi encore? Il est où ton fils là? Mon fils là,
Il est actuellement, il est sur la rue de Dugo. Okay. Il a commencé à enseigner dans cette année. Dans cette année encore, je lui ai programmé que je vais le tirer en masse. J'ai dit que son argent qu'on va lui donner pour que quand il a commencé, voilà. J'ai dit il ne va pas toucher ça. Et puis je vais le tirer le 2 mars. Je lui ai programmé le 2 mars. Vous le mangez? Oui, papa. Bon, et puis je viens ici. Les enfants. Voilà papa. Et puis je coupe la viande, je les donne. Je dis allez-y partager. Et puis quand les gens mangent, ils viennent sortir. Voilà. Et puis dans ma douche là, je m'avais déposé canari. Je fais caca mystique là-bas, dans ma cour. Tout, je fais caca mystique. Celui qui marche dans ce caca là, il a goûté de ce caca mystique. À ce qu'il va faire là, tout ce qui est ça sent. Et puis j'ai signé pacte avec le dragon, j'ai dit tous mes enfants là, je vais bouffer mes gilets, non ça fait là, je veux plus. Les têtes qui me restent là, je veux plus. Mais le dragon il est où? Le dragon, de fois il est dans mon van, il quitte dans mon van, il est dans ma maison, de fois il est dans ma cuisine, il se promène dans ma cour. Et il mange quoi? Il boit le sang humain. Pourquoi ça tu peux élever quelqu'un qui boit le sang? Il boit le sang, donc quand il c'est quel sang il boit? Le sang humain, le sang de l'homme. Ah. Oui, papa. Tu as gâté qui et qui et qui et qui? J'ai gâté la vie de tous mes enfants. S'ils travaillent, ils s'en vont un peu là. Je les recule de rien. Je dis, papa, vous allez faire quelque chose de bon. Ils travaillent, et puis il y a les enfants aussi. De Manuel, mon mari, il a deux femmes. J'enlève vos papiers dans les têtes, je dis que vous n'allez pas réussir. Et puis je fais ça pour mes enfants aussi. Et puis j'ai tout initié aussi. Mes enfants, je pratique la sorcellerie avec eux. La nuit, eux, ils tuent aussi. Non, non. Tu les as gâtés, non? Oui, papa. Tu ne peux pas initier tous les enfants à la fois. Je les ai gâtés. Voilà. Parce que ça, il faut que ça soit un truc. Voilà. Tu les as gâtés, mais c'est pas tout que tu as initié. Tu as fait quoi encore? Bon. Bon, je vais parler. J'étais allée dans une église pour ma délivrance. Le monsieur m'a dit que je n'ai qu'à désigner les sorciers. Il dit que la nuit, si je vois les sorciers, là, je n'ai qu'à leur dire que ils étaient devant moi au nom de Jésus, je me coupe de vous. J'ai dit à monsieur Lacan, la nuit, si je me couche là, si les sorciers là viennent, je ne sais pas comment parler pour les chasser. Et dit, si c'est comme ça dans la journée là, il faut aller les désigner une à une. Je suis allé les dames, les messieurs de mon village, du village de mon mari, j'ai désigné tous les sorciers. Ça a fait le trouble dans le village. La nuit, je me suis couché, tous les gens qui sont morts de mon village, du village de mon mari, ils ont pris une cuvette, ils ont mis des holocaustes dedans. Non, ça fait quoi? Et puis tu as gâté. Bon, j'ai décrit le mariage de mes enfants. J'ai dit, vous n'allez pas vous marier. Vous n'allez pas réussir. Et puis il y a un de mon enfant. Ça fait deux ans. Il allait passer BPC. Quand il allait composer le BPC. Et puis je me suis levé, je suis allé sur la route m'arrêter. Et puis c'est de voir là, j'ai pris pique rouge. Et puis j'ai tout gâté. Il a échoué au BPC. Et puis ma fille, elle allait au Liban là-bas, je l'ai fait sortir. Et puis elle est venue sans bagage. Comment tu as fait? J'ai fait, et puis la guerre est tombée là-bas. La guerre venait, elle a pris voiture, et puis elle est venue. Elle n'a rien. Et puis moi-même, si quelque chose, si mon mari a planté, que ce soit cacao, je m'en vais où, je chie dans le champ. Moi-même, mes choses que j'ai plantées, je chie dans le champ. Et puis tout là, ça se gâte. À cause de la sorcellerie. Ça fait quoi?
Où est ces règles? Tu as parlé, tu as dit ces règles. Tu prends le sang des gens et tu vas vendre ça en bateau. Elle est sereine, sereine. Tu extrais le sang des gens et toi tu vends ça comme promesse. Tu vends. Voilà. Oui, papa. Mais tu n'as pas parlé ça. Je vends. Je vends le sang des gens. Je n'ai pas dit je vends. J'oublie d'autres, j'en fais beaucoup. Mais ce qui vient dans ma tête, c'est ce que je parle. Je fais une pause, amen, pause. Amen. Il y a trop fait. Il y a trop fait le mal. Je lui ai programmé. Tu as moins dit. Non, celui que je parle là. En deux, le 2 mars là. Oui. Il est enseignant cette année. Je dis le 2 mars, il va mourir. Tu vas le manger. Oui. C'est pas mon enfant. Mais je m'en apprends, tu veux manger. Et puis j'ai attaché, elle brûle son pied. Dans ces jours-là, Jésus ici encore. Et puis il y a une femme, elle a envie d'accoucher, je l'ai tuée. Et puis j'ai mangé un enfant. Non, tu l'avais déjà programmé, c'est ça? Tu l'as tué. Je l'ai programmé. Et puis elle est morte. Non, je n'ai pas. Jésus ici, je n'ai même pas attendu quelque chose. C'est à cause de la sorcellerie là. Mon mari m'a divorcé. Je suis allée au village aussi. Mon frère m'a fait sortir de la maison. Je ne sais pas où aller. Mes parents, je les descends. Tu l'as bien compris. Elle ne sait pas où aller. Ah, le prophète Bachou, elle ne sait pas où aller. Elle a un mal, elle veut vraiment s'en sortir, elle ne sait pas où aller. C'est pour ça qu'ici, nous délivrons les sorciers. Nous ne les rejetons pas. Nous les acceptons et nous les délivrons. Voici le service que nous rendons non seulement à la nation, mais au monde entier. C'est un bon service. Quand je venais, je ne sais pas qu'il y avait la brigade anti-sorcier. Ah. Mes parents m'ont donné, l'enfant a dit, quitte notre village de banque, on veut qu'il te voit, il ne faut pas qu'il va nous envoyer le programme ici. Je suis monté dans la voiture. Je dis, je m'en vais au Sénégal, je vais partir, je ne sais pas où je m'en vais. Et puis je suis venu, quand je suis venu, je dis, je m'en vais à Divo. Puis la voiture m'a conduit jusqu'ici, la voiture m'a dirigé ici, j'ai okay. demandé. Okay. Est-ce... Okay. On va te délivrer. Amen. Amen. Ok, on va te délivrer. Ici, nous délivrons les gens. Voilà, c'est le ministère de la compassion des âmes. Donc, tu n'es venu avec personne? Non, je suis venu seul. Qui sait que tu es ici? Dans ce cas, la personne ne sait. Mais il faut qu'on ait un contact de ta famille. Personne ne sait parce qu'ils m'ont chassé. Oui, mais, ils ne savent pas où okay, je suis mais il faut que les gens aussi participent. Ils assistent à ta délivrance. Tu ne le croiront pas. Il faut qu'on les rappelle. Mes enfants, là, je m'attends. J'ai tué leur grand frère qui s'occupait de moi. J'ai tué leur grand frère. Leur frère, dit que... Ils t'ont chassé. Donc, je jusqu'à présent, mes enfants ne s'attendent pas avec moi. Ceux qui sont là, ils ne s'attendent pas avec moi. Non, mais on aura l'occasion de prendre leur contact. Parce que tu as le lit que tu as programmé. Là. On a besoin de lui pour te programmer. Ceux que tu as gardés là, on doit les délivrer. Maintenant, nous autres, on va créer, n'est-ce pas, l'attente entre toi et tes enfants. On pourra t'insérer dans cette famille. Sinon, s'ils n'ont pas assisté à la délivrance, ils ne vont jamais croire ce que tu dis. Même si je les appelle au téléphone, ils ne vont jamais croire. Hein? Tu es d'accord? Je n'ai même pas. Hein? Ah. Eux, ils ont arrêté. Non. Mais au moins, tu sais, il faut qu'on sache au moins où tu es quitté. Ce que tu fais, tu nous donnes le nom de quelqu'un. On va chercher à savoir où il est. Et tout va poursuivre ça. Va t'asseoir. Tout va dépendre de toi. Tout dépendra de toi. Va t'asseoir. Tu dois nous dire où tu es quitté. Si tu n'as pas le numéro, tu vas envoyer quelqu'un là-bas. Il va lui faire venir. Comme ça, la personne va assister. Elle peut avoir toutes les informations. C'est-à-dire, si les gens que tu as gâtés, elle peut chercher à les délivrer. On est d'accord avec ça? Oui, papa. À mon sens!